Ding dong. Tiens, tiens. Oh, qui est là? C'est moi. Oh, c'est la voisine. Ah ben ça alors, c'est fou ce qu'on se ressemble. Incroyable. On fait quoi alors? On se coiffe? Ou alors on essaye des vêtements? Oh, tu veux pas qu'on aille à la piscine plutôt? D'accord, de toute façon cette brosse à cheveux est bien trop grande. On est bien là, hein? Ouais, ça manque peut-être un peu d'eau, non? Oh, voilà mon mari sur son cheval. Youhou! Oh, il est habillé en prince charmant. Bah ouais, le pauvre, il a pas d'autre habit. En plus, mes cheveux sont en plastoc. Bon, alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, bah ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller, d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Mais, et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche, à rien donné? Tu parles. Pour deux places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour deux grands banana splits. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah, mais c'est où ça? Ah, ça m'énerve. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Youhou! Et des sous. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi. Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? Bah, à peu près Louis XIV. Elles sont bonnes, les prochaines. Pas de formica à l'époque. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des tables d'accord. Monsieur, il connaît ça. Bon, bah moi, j'y vais. À plus, les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour, quoi. Bon, écoute. Un, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et deux, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Ben, qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois, elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Allons, de salopette sans bretelle. Non, c'est découpé gonflable, pratique et pas cher. 3 euros les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est deux pieds gauches, non? C'est vrai. Mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur deux pieds droits, ça vous fera deux paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une sette de rêve. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour. Combien le nounours? J'en sais rien. Lou, tu le vends combien, ton vieil ours pourri? Ah, monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez-vous même. J'ajouterai qu'il s'agit de l'ours Ruby de la marque Roudoudou, en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoc. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 euros. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben,
Heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nul en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garanti 1 de l'huile. Ça se lave à combien? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 euros la casserole, 5 euros les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux. Non, 10 passoires casseroles. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Bon, alors, elle prend le loup ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, je... promis. Trois articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères là. Des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers. Allez, allez. Hein? Des rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier. Mademoiselle est connaisseuse. Les têtes de mort sont de moi. Oh, superbe. À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock of the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique. Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Wouah! Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissime. L'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures. Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah ben ça, oui. Je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 euros, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Hé, hey, dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis, Tahiti Paradise ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent, la peau qui bronze au soleil ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nulle? Ma poupée mannequin, tu l'as bien regardée. Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Racamleroux. Profitez de l'occasion, vous cherchez un ami fidèle, achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien, les bons. Tout à fait, si vous le recevez avec une fixe d'aide. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai, je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non. Ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Oh, je suis contente.
Combien? Elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins 2 ou 3 banana split pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une... une adulte, quoi. Maman! La voilà! Qui, quoi? Voilà, voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà. Oh, merci. Pas de service. C'est le top des knock-out. L'affaire du siècle. Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures. Regarde comme c'est génial. Oula, j'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie?